Salut à tous, bienvenue sur Batman Fitness. J'espère que vous allez bien. Ça va, alhamdoulilah. Tranquille, au top, alhamdoulilah. Les endorphines et le sport. Une association gagnante. Le sport est très bon pour le moral, est très bon pour le physique, est très bon pour tout. Donc, les gens qui sont en dépression, les gens qui sont en anxiété, les gens qui sont en stress, les gens, la mélatonine du cerveau, vous avez 3 cubes de mélatonine. Ça aussi, les gens qui fument aussi, qui sont en stressés, qui tremblent, qui pètent un câble. C'est normal, c'est les hormones, les endorphines du corps. C'est les hormones et les organes. Plus vous allez être stressé, plus vous allez en dépression, plus ça va augmenter la charge. La charge du cœur aussi qui prend un coup. Et dans le cerveau qui prend un coup. Donc, les amis, pour ça, pour avoir, pour, on ne dit jamais on peut oublier. Mais on essaye d'oublier avec le sport. La détresse. Vous savez tout ce qui se passe en ce moment? Les divorces, ça fait mal. Les commerçants qui sont en banqueroute. Vous avez des gens qui sont mal à l'aise dans leur vie, qui ont tout perdu. Le sport, ça va vous accompagner. Qui tombent de plus en plus dans l'alcool, dans la drogue. Après, ils pensent au pire. Donc, les trois systèmes qui peuvent vous faire du bien. Les trois systèmes d'hormones stimulés par le sport. Donc j'ai marqué sur ma petite feuille, que je ne suis pas un ordinateur portable, les amis, les endorphines, antidouleurs et euphorie. Fort production d'endorphines dans le corps. Plus vous allez faire du sport, plus les hormones. Ça va lui faire du bien. Deuxième, la dopamine et le plaisir et vigilance. L'hormone du plaisir et de la vigilance. C'est un exemple si vous kiffez sur quelqu'un, si vous avez un plaisir d'acheter quelque chose, si je ne sais pas quoi par la suite, c'est vous qui voyez tout ça, tout le système. Donc, troisième étape, le bien-être des hormones. L'adrénaline, noradrénaline, effort puissant d'agir sur nos cellules grasses pour leur ordonner de déstocker. Donc, les amis, l'adrénaline, c'est comme le sport, comme la musculation, comme. Faites du football, d'autres sports de combat, ça va vous améliorer au niveau des hormones. Donc, comme les activités qui sont assez stressantes, qui sont assez fortes, ben, c'est tout ça qui va vous donner du bien dans l'endorphine. L'endorphine égale les hormones. Puis vous allez faire du sport. Puis vous allez dégager toute la merde, toutes les pensées. Comme j'aurais dit une deuxième fois, tout ce qui se passe dans ce bain monde est éphémère. Est éphémère. Oui. Donc, pour votre bien-être, on s'en fout. Je sais qu'en ce moment, c'est la séparation qui fait mal. C'est la séparation qui fait mal. Donc, ou divorcer. Les amis, je ne suis pas un docteur dans ça, mais le sport, ça vous aide aussi à cogiter sur autre chose, à cogiter sur vous-même et ne pas dégrader la santé, ne pas dégrader votre physique, ne pas partir en cacahuète et surtout, faites du plaisir avec le sport. Ça va faire du bien pour les hormones. Ça va faire du bien pour vous.
Vous êtes en sécurité avec le sport. Vous allez transpirer. Vous allez vous culbuter en musculation. Moi, je pratique la musculation. Ou de la boxe, du sport physique. Allez courir en montagne. Allez faire du trail. Allez faire de la piscine. C'est une détente. C'est une détente des hormones. C'est une détente de l'endorphine qu'on a dans le corps. Et psychologiquement et logiquement. Ça va vous faire travailler sur vous-même. Et surtout sur la capacité de oublier quand même les choses. Il faut essayer d'oublier. C'est pour vous, c'est pour votre sécurité. De l'entourage, c'est pour vous. Ne soyez pas bête et conne. Allez de l'avant, comme on dit, j'ai Eftimen. Enterre ton passé, refais ta nouvelle vie. Une fois que tu as enterré ton passé, tu creuses, t'enterres ta merde, refais ta vie. C'est ce qui est plus simple. Avec le sport, ça va vous aider à plein de choses. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas un docteur. Je suis là pour vous donner du bien. Avec tout ce que je vois à l'heure actuelle, quand je fais les courses, salle de sport, dans la rue, partout, ça part en cacahuète. La seule chose pour éviter la cacahuète, c'est le sport. Pour détendre les hormones. C'est ce qui est simple à faire et je vous donne 1000% que vous allez réussir. N'aie pas peur, foncez, c'est pour vous, c'est pour personne d'autre. D'accord? N'hésitez pas à liker, à commenter. À la prochaine, les amis.